Trip de pêche, on est au mois d'août, on fait de la pêche au doré. On est dans la région de la Haute-Gatineau, on est au réservoir Basse-Cotente. Ça se situe en haut de Mont-Laurier. Très, très, très beau plan d'eau. Pour ce qui est de la pêche, ben, c'est meilleur depuis quelques années parce qu'il y a beaucoup de remises à l'eau là, au niveau du doré, comme dans plusieurs régions. Là. On y va entre 37 cm et 53 cm, ce qui fait qu'on fait beaucoup de remises à l'eau, mais c'est le plaisir de pêcher. Vous avez pu remarquer, là, je ne suis pas un spécialiste de la pêche. J'adore ça, j'aime ça. Super détente. Vous m'avez vu me préparer, j'y vais avec quoi? J'y vais avec un poids lourd, j'y vais avec un pen, une ligne de traîne. Je sais que le doré, ça se pêche arrêté au jig, mais personnellement, moi, je trouve ça plus long. Fait que même si j'en pogne moins, là, j'y vais à la traîne. Pourquoi que j'y vais avec un lancer lourd? Ben, je veux vraiment descendre une profondeur là, de 15-20 pieds. J'y vais avec un rapala, un ten fin. Oui, j'aurais pu y aller avec un plomb marcheur, lancer léger. Mais même si je vais avoir un petit peu moins de feeling au niveau de la canne, là, parce que c'est une canne très rigide, là, j'y vais avec ça pour faire ma pêche au doré. Ici, on trouve du doré, du brochet, bien entendu, de la part chaude. Puis il y a même quelques salmonidés comme de la truite grise et de la wananiche, beaucoup moins. Alors, très belle journée, super chaud. On ne peut pas demander rien de mieux. Puis, non, il n'y a pas de corne, mais on est à la pêche, au Basse-Cotente. Suivez-nous. C'est gros.